Salut Internet, bienvenue encore une fois dans votre message quotidien, message que je canalise de vos défunts lorsque vous m'envoyez votre formulaire sur messagedelaudela.com. Alors aujourd'hui, le message est pour Manon Jeté de sa cousine Joanne. Alors voici votre message, Manon. Allô, allô, ben oui, tout va bien. Je t'ai encore là, rire. Je vais te le dire tout de suite, je suis auprès de ma famille, mais ça me fait plaisir de venir te voir. Tu nous échales tellement rire, c'est pas vrai. Mais oui, on t'entend quand tu nous parles. On s'est tous revus ici. Mais non, on n'est pas tous ensemble, tout le temps. On a chacun nos choses à faire. Tu diras à ma fille, petite fille, que je l'embrasse, que oui, je la comprends et que oui, je suis avec elle. Tu cherches trop partout, rire. Les réponses, tu les as en dedans de toi. Ce que tu crois envers les signes, c'est donc vrai. Moi, c'est les papillons que je préfère. Tant mieux que tu sois encore sur la terre. Je te dis ça parce que des fois, je sais à quoi tu penses. Mais compte-toi chanceuse parce qu'il y a encore bien du monde qui sont là pour toi et il faut que tu sois là pour eux. Je sais de quoi tu es capable, alors arrête d'avoir peur et fonce. La vie est courte, tu devrais le savoir. Je prends des grands bains d'énergie et ensuite je viens t'en donner à toi avec. Encore une fois, profite bien de ce que le plan terrestre peut t'apporter et de ce que tu peux apporter au plan terrestre. Ça, c'est une belle phrase. Quand je l'ai transcrit, je me suis dit, ça, je pense que je vais écrire ça dans mon petit livre de pensée. Alors, je la répète. Encore une fois, profite bien de ce que le plan terrestre peut t'apporter et de ce que toi, tu peux apporter au plan terrestre. Manon, votre cousine Joanne, était remplie d'énergie. Quand elle parlait de sa famille, on voyait qu'au niveau des émotions, ça venait la chercher. Surtout quand elle a dit, tu diras à ma fille, mais je pense que c'était petite fille. Mais en fait, je ne suis pas certaine, vous jugerez Manon. Que je l'embrasse, que je la comprends, que je suis avec elle, c'est aussi que ça veut dire qu'en ce moment, bien, cette jeune fille-là, bien, elle a peut-être un petit peu de difficulté, puis elle compte sur Joanne pour l'aider. Ensuite, elle dit aussi, ça c'est bon pour tout le monde, on s'est tous revus ensemble, mais non, on n'est pas tous ensemble tout le temps. Quand on décède et que notre âme évolue de l'autre côté, on évolue tous à des niveaux différents. Et oui, on va retrouver ceux qu'on a aimés avant, mais une fois qu'on s'est retrouvés, que les retrouvailles ont été faites, qu'on s'est parlé, etc., bien, chacun va évoluer dans sa dimension où il est rendu dans sa vie, dans sa compréhension et tout ça. Et l'exemple que je donne souvent, je le donne un peu à la façon ici sur le plan terrestre d'un retour à l'école. C'est-à-dire que si par exemple, vous, moi, on retournait à l'école demain matin, on ne serait pas tous au même niveau. On serait, de par nos connaissances, de par nos apprentissages, on serait rendu à des niveaux différents. Par exemple, moi, je serais en première année. Il y a des gens qui seraient en deuxième année, des oncles, des tantes qui seraient en troisième année. Alors, quand on évolue de l'autre côté, dans chacun dans nos classes, on apprend ce qu'on a à apprendre. Mais quand la cloche sonne puis qu'on se retrouve en récréation, ah bon, à ce moment-là, on va tous se retrouver. On peut tous se retrouver. C'est un peu comme ça. C'est un peu l'image que je peux faire des retrouvailles puis du cheminement que les âmes font ensemble quand on est tous dans l'au-delà. Et je prends un dernier moment pour vous dire aussi, quand Joanne vous dit « je prends des grands bains d'énergie et je viens t'en donner à toi », pour moi, ça, c'était nouveau de comprendre cet aspect-là et même dans les images qu'elle m'a données. Les grands bains d'énergie, c'est vrai, je l'ai vraiment vu dans un endroit qui ressemble peut-être à un lac, qui ressemble peut-être à une rivière, où les âmes vont comme plonger à l'intérieur de ça, vont ressortir, ils sont remplis d'énergie. Et bien, cette énergie-là, bien, ils peuvent la partager avec les gens qui sont ici sur le plan terrestre. Donc, votre cousine Joanne va partager ça avec vous. Alors, le message aujourd'hui était pour Manon de sa cousine Joanne. Et si vous aussi, vous aimeriez avoir un message, bien, je vous invite à remplir le formulaire sur messagedelaudela.com.
www.manonjeté.com. Je vous rappelle que c'est un concours que je tire quotidiennement des photos et que je livre les messages, que je canalise les messages. Et je vous demande encore une fois, si vous aimez mes vidéos, vous voulez que je continue, un petit pouce en l'air, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et aussi activez les notifications. Comme ça, quand les messages arrivent sur la plateforme, bien, vous êtes les premiers prévenus. Et moi, je vous dis à demain!